On veut laisser l'histoire faire aux historiens et la politique aux politiciens. On ne veut pas que les politiciens se mêlent de l'histoire. Avrupa'nın bir çifte standardıdır. Bu iş tarihçilerin işidir. Tarihin işidir daha doğrusu. Ama kısacası hükümetin, muhalefetin ve meclisin dış politikasının iflasının bir eseridir. Aujourd'hui, moi, je suis très choquée par le fait qu'on essaye d'entraver le travail démocratique. Je rappelle que tous les grands partis de ce pays et tous les parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, élus démocratiquement, soutiennent ce texte. Et faire en sorte que nous subissions aujourd'hui des pressions devant le symbole de la République, là où bat le cœur de la République, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, je trouve ça particulièrement choquant. Je rappelle que mon texte ne vise aucun pays. Il s'inspire d'une disposition du droit européen qui vise à faire en sorte que les personnes qui nient l'existence des génocides puissent être sanctionnées. Et à l'heure où la Turquie frappe aux portes de l'Europe, moi je m'étonne que ce grand pays incite ses ressortissants à manifester en France contre un texte qui est une transposition du droit européen. Puissent être sanctionnées à droite comme à gauche. Alors certains vont peut-être nous accuser d'électoralisme. La Turquie devrait cesser de menacer. Est-ce qu'aujourd'hui vous accepteriez que l'Allemagne nie la Shoah et qu'elle diffuse à l'étranger, sur le territoire français, une propagande négationniste? Non. Alors pourquoi le tolérer de la part de la Turquie? Elle menace Chypre, elle menace la Syrie, elle menace la Grèce, elle menace... So what they're basically doing is writing down the history, and they're not doing it for Armenians or for themselves. They're doing it for the whole world, for the new generation, who's learning the history from the internet, and the internet is full of disinformation, and it can mislead the people. And if the world doesn't recognize and condemn the Armenian genocide, the first genocide of the 20th century, it will happen again. And it did happen with the Jews, with Sudanese, in Rwanda. Dusu claim that the law on criminalization of the denial of Armenian genocide deals with the freedom of expression or suppression of the freedom of expression are not absolutely right. Because, first of all, every genocide denial, especially on a state level and state-sponsored ways, must be punished. But in case of Turkey, we have a country which still practices racial approaches towards the people who were suppressed and became target for the genocidal policies, and especially interstate relations. Look at what Turkey is doing now, putting preconditions, demanding apologies from one country, speaking with aggressive stance and using aggressive rhetoric with another. This is a bold message from Europe. Armenian genocide denial must be criminalized as other genocides too.